Pourquoi ça me attire attention au soleil? Belle parole, nous habitons à belle parole. Et moi-même, honnêtement, depuis environ 10 ans, je dis environ 14 ans, depuis que, oui, bien sûr, 14 ans, c'est ça. 14 ans, je suis, je comprends la politique. Et depuis environ 14 ans, je comprends la politique. Et je suis politique très bien. Je suis capable de dire non, 10 ans d'emblée, je comprends la politique du Dieu, je suis capable de dire que je suis prêt, chaque jour. Ok, c'est-à-dire que si je ne m'attends pas, comme si pas dans la journée, même dans la nuit, je m'attends aux émissions politiques quand même. Je vais le retendre quand même. Pendant 10 dernières années, je m'attends à cause, je vais faciliter pour me comprendre ça, nous, les politiciens traditionnels haïtiens. Là, nous, on parle de traité de tout le Québec, pas étonné, non. Je connais de qui ça que m'a parlé, je connais qui ça que je connais qu'est-ce que je connais. C'est des types que je m'attends très bien. Je connais l'engagement, je connais le, il y a bail mentor, je connais le, il y a fait complot pour détruire le pays parce que par exemple, il faut pas qui bien. On compte ça. Bel discours, belle parole, bel français, bel vocabulaire, bien articulé. Nous habituons à ça. Mais maintenant, c'est résultat clair, concret. Nous besoin pour que nous permettre que le pays soutenir ça. Est-ce que Gaïu qu'on est capable d'éclater, qu'on lève cette traite-là pour fondre en deux, pour que nous mettions courant dans le pays? Nous avons une centrale électrique dans la commune Kafou. Est-ce qu'on a bien courage pour dire que la centrale allumée? OK? Est-ce qu'on est capable de faciliter le tourisme dans le pays comme son nègre de l'international? Et c'est ça qui est important. Son homme vient là. Pendant que la Dominicanie a pesé à grand pas sous nous, la Dominicanie saute en bilan là comme sauté. La Dominicanie saute en bilan là, mettre 2000 en tête. La Dominicanie dit qu'on s'est sorti le 1er janvier 2024 à 25 mai 2024. Il y a eu temps de recevoir 11 700 combien mille touristes en d'un pays. La Kayoui, de 1er janvier à mai, il recevra plus de 7 millions de touristes. En Haïti, nous ne recevons pas 3 graines. Ça fait ça. Kidnappé politique, gang politique, terroriste politique, tout le président politique, assassin politique, yo, c'est eux qui mettent nous là. Ça fait ça. Oligarque corrompu, qui boté copé, qui a tout le monde, qui a vendu zam, qui a tout le monde dans le pays, qui a acheté zam en Dominicain niveau Haïti, qui a acheté bal en Dominicain niveau Haïti, pour rendre que le pays a une instabilité généralisée pour que le monde ne fonctionne pas dans le pays. Mais maintenant, ça a besoin. Nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de pays qui pour la paix. Nous avons besoin de sécurité. Nous avons besoin pour que vent changement, vent la paix, vent d'espoir souffler sur tête pays. Qui est-ce que nous capable de joindre? Nous avons besoin de gens qui ont une crédibilité peuple là. Pour qu'on comprenne, 1, 2, 3, 4, ça fait Gary Konite pété courant 2011. Et ça qui est important pour nous. Si nous connaissons ça qui fait le pété courant en 2011, nous allons partager ensemble avec nous. Et nous allons live. Après-midi, pour que nous jouions Naval, chaque gagnant, alors, opinion chaque gagnant, pour nous permettre de comprendre la réalité. Ça qui fait M. Pété courant en 2011. Parce que notre carité, comme pour lui, il va même faire 6 mois même. Et 4 points, il fait. Est-ce que nous avons raison? Il me connaît. On quitte Gary Konite parler toujours parce que monsieur t'a parlé là, monsieur t'a parlé de Haïti, mais c'était en 2011. Mais là maintenant nous 13 ans après, c'est trop assez rapide. Et 2024 nous écounia qui compte Haïti, monsieur tourne comme premier ministre, ça va le faire. Et comment on rentre? Et c'est comment on rentre là tout le monde comment on va sortir? Ça va le faire. Mais comme Jovenel Moïse rentre en façon tout. Façon Jovenel rentre là. 2 ans après, elle t'a pété coquin, elle t'a mette système dans d'autonomie. Est-ce que Gary Konite capable de mettre classe politique traditionnelle haïtienne, gang nan, oligarque corrompu, cap touye moun nan pays, cap vanzam nan? Est-ce qu'elle ka mette yo tête en bas? Gary Konite son jouet de l'équipe, son jouet de l'international. Oligarque corrompu yo, c'est moun pa monsieur tout. Et oligarque corrompu yo facilité pour faire tête sa yo, vin pour yo, parce que yo même à travers l'obéissance, yo, y'a choisi de gren moun sa yo, cap vin travail pour yo. Est-ce que Gary Konite capable de faciliter Jasper Haïtien capable de rentrer conteneur dans le pays normalement? Est-ce que Gary Konite capable de faire Oligarque Corrompu connaître que pays ça c'est pays de saline que lié, il va mettre pays Haïtien qui doit dans pays, OK? Faire connaître que pas de trouble. Est-ce que Gary Konite est capable de mettre en question les assassins de Jovenel Moïse? Docteur Gary Konite, il croit pour vous, essayez de parler toujours. Vous avez fait déclaration en 2011, mon ko parler ou pas parler pour le moment. Mais m'a fait peuple attendez ou monde qui peut connaître ou peut-être va connaître ou il va attendre. Regarde l'expression visage tout sous son équise. Si vous êtes sérieux tout, il y a pour eux, oui. Parce que nous connaissons, nous connaissons bluffer, nous connaissons menteur, nous connaissons pas sérieux. Entendez, monsieur. Il y a un problème d'exode de capitaux partout en Afrique.
y a un problème énorme d'exode de capitaux, côté que on paquette comme fait en Afrique et puis aller dans les pays plus développés. Donc, ils voulaient assurer que des éléments consacrés importants pour eux incluent tout l'agenda global. Là. Que les pays développés ont accepté de mettre en place des mesures qui réduisent, parce qu'on a parlé très souvent d'un montant qui dépassait ça à pays africains recevoir en assistance externe. Donc, ils voulaient assurer que l'élément ça inclut l'agenda à tout. Donc, fort là, premièrement, pour où ça, l'autre voulait mettre qui a affecté. Le, par exemple, il y a parlé de ça, les green, d'économie verte et restrictions que ça a imposé en termes de modèle de développement. Fort là tout pour assurer que l'élément commun qui ouvre qu'il a, il inclut l'agenda commun. Donc, c'est une discussion qui est importante. Et vous avez raison, il est loin d'Haïti, mais il est très intéressé à Haïti. C'est pour ça, ouais, d'ailleurs, le monde là. Le monde représenté. Un paquet de chefs d'État, dont le président du Niger avec lequel j'ai travaillé, quand l'homme des résidents coordonnateurs, qui vient nous être au premier ministre jamaïcain, Lila, tout. C'est parce que nous voulons faire partie de discussion, parce qu'en général, si nous pas fait partie de discussion, nous avons subi résultat de discussion au lieu que nous bénéficions de lui. Le monde est là, mais Haïti est pratiquement absent de mon activité comme ça, alors que nous posons des questions avec une autorité européenne qui dit que par rapport à la question. Et objectif et millénaire là, Haïti est le rare pays, sinon l'unique qui n'a pas atteint un objectif, 8 objectifs qui étaient fixés. Dans la région. C'est vrai que Haïti, dans la région, c'est un pays qui n'a pas fait progrès pour le faire sous objectif du millénaire. Et c'est pour ça que c'est important que non seulement pour nous discuter, pour nous comment le prochain cadre. Mais je rappelle que entre Kounia et échéance 2015, là, nous sommes à peu près 1000 jours. Donc, il y a tant toujours pour Haïti faire progrès dans l'éducation universelle, dans la santé, dans l'équité de genre. Par contre, il faut me dire ça et je suis assez fier de ça. La question éducation, Haïti, c'est un grand pays avec ce niveau de revenu qui était atteint et cible de parité garçon-fille au niveau primaire depuis très longtemps. Et nous, en tout cas, Haïti fait pour grand pile la question réduction de sida. Donc, il y a un peu de progrès quand même qui fait, mais il y a beaucoup plus qui a à faire. Mais dans le cadre de définition de nouvel agenda, il y a certainement des éléments clés que Haïti voulait ouer le portefeuille là. Et en ce sens, nous avons raison, il faut que nous présents. Ceci dit, il y a plusieurs forums côté discussion ça a fait. Et ici, là, je dis là, c'est seulement une forum. Donc, je suis sûr que, par exemple, au niveau des Nations Unies, New York, ou un ambassadeur avec équipe technique ambassade là qui certainement engagé dans la discussion et à mon avis a représenté intérêt et vision pays en cas de discussion ça. Si pas une autre question pour monsieur Kony sur JEDO en tant que ancien chef de gouvernement qui regard aujourd'hui a porté sur Haïti. Tu sais, nous sommes fait presque 14 mois en Afrique mais nous suivons Haïti de très très près. Et surtout qu'on y a avec technologie qu'on gagne en forme de ça, on nous toutes là régulièrement sur internet et on lit régulièrement et tout journal sur internet. Donc on a suivi la situation de près et m'avoue que très souvent me partager, me très inquiet et me très soucieux que nous pas perdu le peu d'acquis que nous gourmet pour lire au cours des dernières années. Je suis très inquiet tout parce que l'homme a des problèmes de fond, qui c'est l'extrême pauvreté. Pourquoi est vraiment aucune velléité pour ça changer? L'homme a regardé Haïti, je me suis toujours songé qu'en 1960, il y a le même niveau de revenu que la République dominicaine. Il y a le même niveau de revenu que le Ghana. Je dis à pays, ça a eu 4-5 fois le niveau de revenu d'Haïti. Donc en fait, les problèmes de fond du pays, la pauvreté, ne sont pas en train de s'améliorer. La classe moyenne est détruite. Je dis à un professeur à l'école, pas qu'à vivre de revenus comme professeur à l'école. Un chauffeur taxi, un petit machin, il y a pile de problèmes pour joindre les deux bouts. Et ces problèmes de fond, là, malheureusement, pour moi, il y a beaucoup d'attaques. Les problèmes d'environnement, en 1940, il y a la même couverture environnementale que la République dominicaine, 40%. Je dis à nous, à moins de 2%, à peu près 1,5%, alors que la République dominicaine, qui est 40% par là. Et c'est des problèmes qui parlent des répercussions à long terme, longtemps d'exporter sucre. Je dis à nous, importer 100% de sucre que nous mangeons. Donc, il y a des problèmes de fond qui demandent une solution consensuelle, une solution concertée. Je pense que c'est une très mauvaise approche pour mon quoi qu'à partir du gouvernement, à partir du palais national ou du bureau de la primature, on est capable de résoudre le problème Haïti. Le problème là, c'est que vraiment pour arriver à créer un climat à côté chaque monde arrive à contribuer pour résoudre le problème de fond. Moi, c'est important tout que pour expliquer Haïti que développement et haïtien que problème de développement, il prend temps pour le résoudre. Et au fur et à mesure, il faut qu'on explique la population, mais il faut qu'on fasse, mais comment on n'a pas avancé. Il faut pas faire des promesses démesurées. Son peuple qui fait preuve d'un pile patience, mais il faut qu'on explique le soit fait, comment on fait pour le comprendre et pour le participer. Donc en gros, l'homme garde par exemple, j'étais en Éthiopie, je suis retourné en Éthiopie le 10, je regarde le progrès Éthiopie fait en 10 ans,
son pays qui vraiment pour venir une économie émergente dans les 15-20 prochaines années. Nous avons regardé pour l'effort que vous faites en termes de mettre en place institutions, mettre en place structures. Nous avons regardé pour l'effort qu'a fait un peu partout en Afrique, des pays qui étaient loin derrière nous. Là, en Niger, côté moi-même, il y a seulement 4 ans, comment vous faites pour vous-même y arriver à partir du programme présidentiel, les trois zones du Niger, le Niger nourrit le Niger. Comment y arriver à mettre en place un programme cohérent pour vous faire pays avancer. Moi-même, c'est quand même douloureux pour moi que nous-mêmes, que nous pouvons vraiment prendre direction de développement et nous pouvons bailler leçon de développement que nous croyons que nous cabaillons le monde, même j'en débat leçon en 1804. D'après vous-même, c'est qui bon problème, non? Il est quelque part quand même. Tu sais, le problème là, c'est que cette incompréhension, cette mauvaise compréhension du développement que nous croyons que changement saute du palais national de la primature, changement saute dont il faut concerter de tout secteur, de tout éléments dans la société. Ils sautent dans l'unité. Ça veut dire qu'il faut le secteur privé à jouer le rôle. Il faut avoir suffisamment de confiance dans l'État pour jouer le rôle. Il faut le secteur social jouer le rôle. Il faut évidemment le gouvernement et le Parlement jouer le rôle. Donc, il faut que son effort collectif. Pas grand rien qui tombe dans l'eau et puis subitement, on va pouvoir tout bailler résoudre. Je crois que ça, c'est son premier et incompréhension. Deuxième, c'est que nous croyons tout que le problème n'est pas seulement un problème ici. Nous croyons sincèrement que la communauté internationale a une part de responsabilité dans l'incapacité pour nous avancer. Évidemment, responsabilité avancée, c'est avant tout responsabilité pas nous comme haïtiens, mais les partenaires aussi, particulièrement après le tremblement de terre. Ils ont fait des promesses que pas qu'un nécessairement. Ils ont pris un engagement qui n'est pas cohérent du tout. Ils ont pas permettre que le gouvernement et l'État ici en prennent direction reconstruction. Et pour moi, ils n'ont pas vraiment bénéficié de l'opportunité qui était créée même après le tremblement de terre. Donc, son convergence de facteurs, mais surtout, le regard des pays qui ont avancé, même Libéria, côté de fait 14 mois, bon élément essentiel, c'est que c'est vraiment un effort de toute la communauté de vouloir résoudre les problèmes. Et vraiment tout le monde met ensemble pour apporter petites contributions par eux. Et le mérite appartient à tout le monde par un groupe. Donc pas une compétition entre les différents groupes pour dire qui est-ce qui résout le problème. Mais vraiment, c'est un effort concerté. Donc on croit que ça. Dernier point que je dis sur ça, c'est très important. Moi, c'est que le regard des difficultés haïtiennes, il faut tout secteur remettre tête en question. Il faut tout secteur interroger tête. Pour tout secteur de tête, qui ça va le faire différemment à partir de 2014. 2014, c'est le 210e anniversaire de notre indépendance, c'est le 4e anniversaire du tremblement de terre. Il faut commencer à parler de Haïti 2, d'une nouvelle révolution, d'un nouveau 1804, avec une nouvelle image de s'annouveler de Haïti. Et remise en question, ça, il faut tout secteur faire le priori en 2014. Qui ça va changer le comportement? Parce que définitivement, ça me tape fait avant, n'est pas nécessairement abouti. Docteur Koning, je pense qu'en tant qu'ancien Premier ministre, vous faites l'expérience de l'aide au développement. Et notamment, au sein du gouvernement, côté président de la République, là, qui est toujours en fonction, l'administration toujours en fonction, taponné et investissement en place aide au développement. Et je pense que plus fort monde d'accord aujourd'hui que aide au développement, ce n'est pas lui-même qui a mené vers le développement. Mais Haïti, justement, a un dilemme parce qu'il est obligé de continuer à bénéficier de l'aide au développement. Maintenant, quelle meilleure stratégie vous pensez que le gouvernement a dû gagner? Entre l'aide et le développement, en fait, maintenant parler avec le recul, puisque vous même dans les affaires, publiques. Je dis à vous en dehors, vous faites expérience d'autres pays, ou suivre l'expérience qui a parlé. Et qui meilleur choix que tu as fait entre l'aide au développement et l'investissement qui t'aide à venir aujourd'hui? C'est une question très importante. Moi, personnellement, je crois que ce n'est pas une ou l'autre. Pour le moment, quand on pile pays qui a avancé, je parle de l'Éthiopie tout à l'heure, qui a fond pour énorme, côté que la diaspora éthiopienne a investi massivement dans l'infrastructure, dans la construction en Éthiopie. Mais ceci dit, l'Éthiopie est encore le premier pays pour le financement de la Grande-Bretagne, par exemple, et le premier pays à recevoir l'aide américaine en Afrique. Donc c'est pour te dire qu'il y a de la place pour les deux. Mais ça demande trois choses, et tu as raison. D'abord, il faut renégocier cette aide, il faut renégocier cette assistance. Ça, il n'y a pas de doute. Fonchita avec partenariat, en tant que partenaire, et moi, ça fait dans plusieurs pays. Après le tsunami en Indonésie, moi, gouvernement indonésien, Chita, en tant que partenaire pour la communauté internationale, là, premier bail m'a fait, c'est que moi, mes comme m'a mis. Deuxième bail m'a fait, c'est que quand on voulait aider maintenant, comment je voulais aider, pas autre chose. En 2004, moi, j'ai travaillé en Éthiopie, moi, le gouvernement éthiopien, dit Banque mondiale que dans ces conditions, monsieur, prends quoi boire, à le faire autant. Donc, il y a moyen pour nous de renégocier avec nos partenaires et en tant que partenaire debout. Et ça, c'est un bagage que nous, quoi que nous, café et nous, devons faire.
Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu as raison. Haïti a un paquet de potentiel pour être capable de développer. Nous ne pouvons pas même entrer dans la question ressources naturelles. Moi-même, toutes les données que moi sous ça, fait que nous avons une richesse dans ce sol nous qui est encore inexploitée et qui crée un potentiel. Deuxième élément, nous gagnons, c'est les plus de 4 millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger et qui transfèrent 2 milliards de dollars. Si nous créons les instruments appropriés, nous avons moyen là vraiment pour mobiliser un capital énorme. Ça veut dire que Haïtien a dit, au lieu de mettre un petit coup de la banque, là, pour apporter 1% semaine ça, je mettre dans un projet d'infrastructure qui a apporté 6-7%. Donc, potentiel de capital de diaspora, il ne faut pas négliger. Et troisièmement, il y a des opportunités d'investissement, tout qui est extraordinaire, mais pour ça, il faut créer les circonstances qui pourraient assurer. Ces investissements sont actes de foi liés. L'on est mettre un coup de l'on partenaire étranger, l'ouvre la carte du monde, il gagne 10 millions de dollars pour l'investir. C'est pour moi des têtes. Pour qui ça l'a dit, c'est Haïti. Si je mette 10 millions de dollars, ça. Donc, il faut avoir raison. Et raison, il faut avoir bien. Ça veut dire qu'il faut résoudre le problème de propriété de cadastre. Il faut résoudre le problème de justice. Parce que l'un n'est pas venu dans le pays où il y a un conflit, il faut connaître que l'on est capable de gagner justice dans le cas de conflit et que le cas fait justice ça a confiance. Donc, il y a un paquet de problèmes pour résoudre, pour rassurer l'investisseur. Et si on arrive à faire ça, moi, je crois arriver effectivement à mobiliser le capital qu'on a besoin pour capable faire un investissement massif dans toute qualité de projet d'infrastructure et dans le projet social. Tout. Là, je regarde par exemple au Mexique, il y a un programme Tres por Uno qui est extraordinaire. Le gouvernement mexicain il met 3 dollars pour chaque grain de dollar en diaspora. Le Mexicain envoie la CAELI pour les petits travaux d'infrastructure communale. Un projet comme ça que nous-mêmes nous travaillons avec la Banque mondiale, côté que nous avons capitalisé sur diaspora pour chaque grain de dollar. Nous, gouvernement match li pour nous assurer que dans 10 départements, dans toute section communale, il y a des efforts qu'a fait. Donc, ça, c'est au niveau, si tu vois, décentralisé. Mais on a moyen tout pour mobiliser capital massif pour faire des bailleurs et des investissements qui rentables, par exemple, en énergie. Donc, on a moyen pour créer un environnement pour générer capital pour capable effectivement faire des travaux d'infrastructure. Genre, ça fait un peu partout. Donc, il faut arriver à concilier vraiment le tout. Et je dis à mon consensus, c'est pour ça. Tout pays reconnaît que faut joindre quoi faut il faut que la communauté internationale ait un bel engagement que le défait de 0,7 dans le cadre OMD. Je rappelle que tout le monde a pu atteindre 0,7% de revenus que tu as investi en matière de développement. Deuxième bas encore fort, et c'est pour ça que fora ça est très intéressant, distribution ressources pas basée sur les besoins. Donc ça veut dire qu'il y a des pays comme l'Irak qui recevront une partie énorme d'assistance externe, alors que eux-mêmes, ils ont des ressources naturelles. Donc, ils sont basés sur une réalité géopolitique, sur l'intérêt des bailleurs. Donc, une discussion intéressante et importante qui pour des pays émergents, toujours dit, à cap entrer dans le milieu et assistance là. Par exemple, le Brésil, par exemple, la Russie, je dis. Donc, il y a des opportunités pour nous renégocier comment partenariat a fait. D'ailleurs, nous allons parler de l'assistance, encore, on a parlé de partenariat. Et parallèlement à ça, nous faisons pour la CAENO, créer un environnement pour que les gens intéressés, mobiliser le capital que nous gagnons dans la diaspora, mobiliser le capital que nous gagnons interne en Haïti, parce qu'il y a des réformes que faut faire qui sont capables de permettre de mobiliser le capital. Moi, je crois que, par exemple, la politique fiscale, nous, je dis, pas permettre de mobiliser excédent de capital qu'on gagne en Haïti même pour faire investissement. Donc, on équipe bagaille comme qu'on a fait intelligemment qui pour faire comme ça arrive. Fort de toute considération que vous faites là, est-ce que nous sommes capables de conclure que si pas un effort considérable qui fait et objectif que le gouvernement Martelly, Lamotte l'a fixé, qui sait faire d'Haïti un pays émergent en 2030, sont utopies? Pourquoi que faut un effort collectif et cohérent? Donc surtout ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'arrive pas à mobiliser tous les secteurs de la vie nationale, c'est peu probable que on va réaliser l'objectif ou on va opérer quand on va aller pour compte. Développement, c'est encore une fois, c'est pour aller que palais national en pays fait. Donc on croit que l'approche là, faut élargir, faut reconnaître implication et importance implication tout secteur, faut bailler tout secteur opportunité pour contribuer, intérêt pour contribuer. Et avec ça, parce que j'aime toujours dire, il n'y a pas une fatalité haïtienne. Fort heureusement, pas grand problème qu'on a en Haïti pour lequel pas déjà des solutions éprouvées. Mais si mon école, je dis à son bail, nous connaissons comment on fait. Résoudre les problèmes sanitaires que nous gagnons, santé que nous gagnons, accès à l'eau potable, tout ça, c'est des problèmes que normalement nous résoudre sous 27 500 km² avec 10 millions de monde. Mais le défi, c'est comment on peut mettre toutes composantes, incluant les partenaires internationaux, ensemble autour d'un programme cohérent, côté qu'on bail les garanties qu'il faut, côté que l'État haïtien bail la direction qu'il faut, et puis ensuite qui permettent nous avancer. Comme ça se fait un peu partout. Récemment, avant tout ça, on a regardé et avancer un pays comme Malawi a fait dans certains domaines. On trouvait que c'est extraordinaire parce qu'il est arrivé
au niveau sectoriel, mettre partenaires ensemble pour être capable de faire des investissements cohérents et ouais vraiment. Je regarde moi, un pays comme l'Éthiopie qui a 1 million de kilomètres carrés, presque 80 millions de monde qui ont un gros problème de mortalité maternelle. Ils ont fait des avancées extraordinaires dans presque tout indicateur santé. Ce qui est remarquable. Mais ça, le gouvernement éthiopien a fait, ils ont fait une distribution de 35 000 travailleurs communautés. Ils ont fait avec Kobio, parce que la communauté internationale, justement, pas de pays, pas de pays et salaire. Et en moins de 5 ans, ils ont des avancées tangibles en matière de santé. Donc, moi, je crois que c'est un débat comme ça que nous avons fait. Et avec ça, nous avons enfin, par la population haïtienne, soulagement que l'Aptan. Très bien. Voilà, c'était docteur Gary Conny. Qui actuel premier ministre pour qu'on lève cette tête là dans la coupe d'Haïti plus deux traites qui fait 9 traites et qui pral alors qui finalement capable dire officiellement monsieur arrêté à sortir dans journal officiel le moniteur paysan. OK, côté que monsieur c'est nouveau premier ministre paysan Gary Conny. Aïe 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 Haïti. Haïti. Haïti chérie non. Haïti. Haïti, belle femme, moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Haïti. Dis ça encore. Pour ti pays, pour Haïti, pour peuple bon Dieu, a capé souffrir. Si t'es soleil qui l'en souffrance, pas gen sacrifice qui trop grand. Dis pour ti pays, pour Haïti, petit pays nan pour peuple bon Dieu m'lan si t'es soleil qui l'en souffrance pa gen sacrifice qui d'ouvre qui trop grand. Et n'a pas avancé. Voilà, nous pral tande et commandant en chef révolution pour libération pays d'Haïti 2024 là qui c'est commandant Guy Philippe qui réagit sous et ça qui gen pouwè avec et dossier qu'on lève cette traite là. Mais entre-temps, Arab la font une intervention qui est extrêmement importante tout comme nous connaissons Arab la son mission difficulté et système dans mettre système dans coalition gang dans a bay monsieur problème et a bay monsieur pile problème. OK? Et Arab lance besoin support chaque gang non parce que il mettait à vide recherche des Arab blanc faut que nous fait tout ça qu'on capable pour que ça li levé persécution ça li fini et en avancé en autant des arabes là c'est très intéressant tout à l'heure notre entendez Maslem Itil qui c'est président de l'équipe arabe là dans la coupe d'Haïti et est-ce que tout à l'heure est-ce qu'il a entendu l'arabe là très bien. Et est-ce qu'il y a un problème? Vérifier ça. Ben nous ouais toujours. Pour nous connaître si c'est et pour nous connaître si c'est nous qui a un problème là. Ben nous vérifier d'abord. Et naturellement pour nous voir si c'est nous de côté pas nos problèmes là. Pour nous capables résoudre définitivement et bon côté pas non on va essayer dans l'autre device très bien on va laisser l'autre possibilité pour nous si nous attendre arabe là c'est très très intéressant pour nous attendre Maslin et depuis dans la coupe pays d'Haïti et on va essayer l'autre façon pour nous si nous attendre Maslin. Et tout à l'heure, qui s'est passé? Bah, t'as des arabes là. Est-ce que nous t'as des arabes là? Est-ce que nous t'as des arabes là? Tout à l'heure, bah, moi. Souvent pas sorti. Permettez-moi et vérifier bagay pendant quelques secondes pendant attendant continuer d'attendre Dr. Gary Conny. Gouvernement et parlement jouer rôle. Donc
faut que son effort collectif, pas rien qu'à tomber d'en haut et puis subitement on va tout bas résoudre. Je crois que ça son premier et incompréhension gain. Deuxième bah, c'est que nous croyons tout que problème n'est pas seulement un problème ici. Nous croyons sincèrement que la communauté internationale là gain part de responsabilité dans l'incapacité nous pour avancer. Évidemment, responsabilité avancée, c'est avant tout responsabilité pas nous comme haïtiens, mais les partenaires aussi, particulièrement après le tremblement de terre. Ils ont fait des promesses que pas qu'un nécessairement. Ils ont pris un engagement qui n'est pas cohérent du tout. Ils ont pas permettre que le gouvernement et l'État ici en prennent direction de reconstruction. Et pour moi, ils n'ont pas vraiment bénéficié de l'opportunité. Très bien. Grand petit problème. Pour nous tendre Maslin, je vais aller faire les autres façons parce que c'est très intéressant pour que nous tendre l'équipe arabe blanc dans l'intervention. C'est extrêmement important pour nous entendre Maslin Mirtil qui c'est président équipe arabe blanc parce que si un petit problème technique mais même faut que quelque chose c'est nous entendre lui faut me qu'attendre le tout vous comprenez moi et faut me qu'attendre le tout et on regarder voilà si nous t'as le faut attendre et Maslin et depuis dans la coupe pays d'Haïti c'est n'a qu'à prendre son ça là regardez après c'est nous tendez Maslin OK n'a pas avancé voilà n'a pas laissé là ouais c'est n'a pas attendez Maslin mais en tout temps attendez et Gary Conny toujours tech t'est créé même après tremblement de terre donc son convergence de facteurs mais surtout là m'a regardé pays qui a avancé qu'il y a même Libéria côté monsieur fait 14 mois bon élément essentiel c'est que c'est vraiment un effort de toute la communauté de vouloir résoudre les problèmes. Et vraiment, tout le monde met ensemble pour apporter petites contributions par eux. Et le mérite appartient à tout le monde par un groupe. Donc, pas une compétition entre les différents groupes pour dire qui est-ce qui résout le problème. Mais vraiment, c'est un effort concerté. Donc, on croit que ça. Dernier point, je dis sur Samba, c'est très important. Je pense que le regard des difficultés haïtiennes, il faut que tout secteur remette tête en question. Il faut que tout secteur interroge tête. Tout secteur m'a dit qui ça va le faire différemment à partir de 2014. 2014, c'est le 210e anniversaire de notre indépendance, c'est le 4e anniversaire du tremblement de terre. Faut commencer à parler de Haïti 2, d'une nouvelle révolution, d'un nouveau 1804 avec une nouvelle image de ça nouvelé de Haïti. Et remise en question ça, il faut tout secteur faire le dire en 2014 qui ça va changer le comportement parce que définitivement ça me t'a fait avant, n'est pas nécessairement abouti. Docteur Kone, je pense qu'en tant qu'ancien Premier ministre, vous faites l'expérience de l'aide au développement et notamment au tenant du gouvernement côté président de la République là, qui est toujours en fonction, l'administration toujours en fonction, taponné et investissement en place aide au développement. Et je pense que plus fort monde d'accord aujourd'hui que l'aide au développement, ce n'est pas les mêmes qui mènent vers le développement. Mais Haïti, justement, on dilemme parce qu'il est obligé de continuer à bénéficier de l'aide au développement. Maintenant, quelle meilleure stratégie vous pensez que le gouvernement a de gagner entre l'aide au développement, en fait, maintenant, parler avec le recul, puisque vous êtes dans les affaires, publiques, je dis à ou en dehors, ou faire expérience dans notre pays, ou suivre l'expérience qu'a parlé. Et qui meilleur choix que tu as de fait entre l'aide au développement et l'investissement qui tarde à venir aujourd'hui? C'est une question très importante. Moi, personnellement, je crois que ce n'est pas une ou l'autre. Pour le moment, quand on pile pays qui a avancé, je parle de l'Éthiopie, tout à l'heure, qui a fait un progrès énorme, côté que la diaspora éthiopienne a investi massivement dans l'infrastructure, dans la construction en Éthiopie. Mais ceci dit, l'Éthiopie est encore le premier pays pour le financement de la Grande-Bretagne, par exemple, et le premier pays à recevoir l'aide américaine en Afrique. Donc, c'est pour te dire qu'il y a de la place pour les deux. Mais ça demande trois choses, et tu as raison. D'abord, il faut renégocier cette aide, il faut renégocier cette assistance. Ça, il n'y a pas de doute. Fonchita avec partenariat, en tant que partenaire, et moi, ça fait dans plusieurs pays. Après le tsunami en Indonésie, moi, gouvernement indonésien, Chita, en tant que partenaire pour la communauté internationale, là, premier bail m'a fait, c'est que moi, mes corps m'a mis. Deuxième bail m'a fait, c'est que ce qu'on veut aider maintenant, mes corps m'ont voulu aider. Pas autre chose. En 2004, moi, j'ai travaillé en Éthiopie, moi, ouais, gouvernement éthiopien, dit Banque mondiale que dans ces conditions, monsieur, prends quoi boire, à le faire autre. Donc, il y a moyen pour nous de renégocier avec nos partenaires et en tant que partenaire debout.
Et ça, c'est un bagage que nous avons fait et nous devons faire. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu as raison. Haïti a un paquet de potentiel pour le capable de développer. Nous ne pouvons pas même entrer dans la question des ressources naturelles. Moi-même, toutes les données que je vois sur ça, fait que nous avons une richesse dans ce sol nous qui est encore inexploitée et qui crée un potentiel. Deuxième élément, nous gagnons, c'est les plus de 4 millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger et qui transfèrent 2 milliards de dollars. Si nous créons les instruments appropriés, nous avons moyen là vraiment pour nous mobiliser un capital énorme. Ça veut dire que Haïtien a dit, au lieu de mettre un petit coup de la banque, pour apporter 1% semaine ça, je mettre dans le projet d'infrastructure qui a apporté 6-7%. Donc, potentiel de capital de diaspora, il ne faut pas négliger. Et troisièmement, il y a des opportunités d'investissement, tout qui est extraordinaire, mais pour ça, il faut créer les circonstances qui pourraient assurer. Ces investissements sont actes de foi. L'on est mettre un leader, l'on partenaire étranger, l'ouvre la carte du monde, il gagne 10 millions de dollars pour l'investir. C'est pour moi des têtes. Pour qui ça l'a dit, c'est Haïti. Si je vais mettre 10 millions de dollars, ça. Donc, il faut avoir raison. Et raison, il faut avoir bien. Ça veut dire qu'il faut résoudre le problème de propriété, de cadastre. Il faut résoudre le problème de justice. Parce que l'un est gravé dans un pays où il y a un conflit, il faut connaître que l'on est capable de gagner justice dans le cas de conflit et que le cas fait justice, ça a confiance. Donc, on n'a pas quatre problèmes pour résoudre, pour rassurer l'investisseur. Et si on arrive à faire ça, moi, je crois qu'on arrive effectivement à mobiliser le capital qu'on a besoin pour capable faire un investissement massif dans toute qualité de projet d'infrastructure et dans le projet social. Tout. Là, je regarde par exemple au Mexique, il y a un programme très sport ou non, qui est extraordinaire. Le gouvernement mexicain, il met 3 dollars pour chaque grain de dollars en diaspora. Le mexicain envoie la CAELI pour les petits travaux d'infrastructure communale. Un projet comme ça que nous-mêmes, nous travaillons avec Banque mondiale, côté que nous avons capitalisé sur diaspora pour chaque grain de dollars. Vous voyez, nous, gouvernement match li pour nous assurer que dans 10 départements, dans toute section communale, il y a des efforts qu'a fait. Donc, ça, c'est au niveau, si tu vois, décentralisé. Mais on a moyen tout pour mobiliser capital massif pour faire des bailleurs et des investissements qui sont rentables, par exemple, en énergie. Donc, on a moyen pour créer un environnement pour générer capital pour capable effectivement faire des travaux d'infrastructure. Genre, ça a fait un peu partout. Donc, il faut arriver à concilier vraiment le tout. Et je dis à mon consensus, c'est pour ça. Tout pays reconnaître que faut joindre quoi faut il faut que communauté internationale ait un bel engagement que le fait de 0.7 dans le cadre OMD. M'a rappelé que tu font que tout tu pas atteindre 0.7% de revenus que tu as investi en matière de développement. Deuxième bas encore fort et c'est pour ça que fora ça est très intéressant. Distribution ressources pas basée sur les besoins. Donc ça veut dire qu'au gain des pays comme l'Irak qui recevront en partie énorme d'assistance externe, alors que eux-mêmes, ils ont des ressources naturelles. Donc, ils sont basés sur une réalité géopolitique, sur l'intérêt des bailleurs. Donc, une discussion intéressante et importante qui pour nous, il y a des pays émergents, toujours dit, à cap rentrer dans le milieu et assistance là. Par exemple, le Brésil, par exemple, la Russie, je dis. Donc, il y a des opportunités pour nous renégocier comment partenariat a fait. D'ailleurs, nous allons parler de l'assistance, encore, on a parlé de partenariat. Et parallèlement à ça, nous faisons pour la CAENO, créer un environnement pour que nous intéressés, mobiliser le capital que nous gagnons dans la diaspora, mobiliser le capital que nous gagnons interne en Haïti, parce qu'il y a des réformes que faut faire qui sont capables de permettre de mobiliser le capital. Moi, je crois que, par exemple, la politique fiscale, nous, je dis, pas permettre de mobiliser excédent de capital qu'on gagne en Haïti même pour faire investissement. Donc, on équipe bagaille comme quoi qu'on a fait intelligemment qui pour faire comme ça arrive. Fort de toute considération que vous faites là, est-ce que nous sommes capables de conclure que si pas un effort considérable qui fait et objectif que le gouvernement Martelly, Lamotte, l'a fixé, qui sait faire d'Haïti un pays émergent en 2030? Très bien, et voilà, nous t'attendons et Gary Conin, nous t'avons passé parti ça pour nous attendre pour nous résoudre un petit problème technique qui était gagné pour nous permettre tout de dernier sort et garder dernier sorti que Maslem Itil arabe la fait et Neg arabe là et fait OK pour nous faire autant de li et dernier sorti qui est extrêmement important parce que monsieur Didier Causé qui est très intéressant et nous connaît arabe là son combattant son la conviction son vraiment pile pour prise de position là. Ce n'est pas changé quand, ce n'est pas campé dans le camp côté de la campagne. Arabe a toujours campé au champ de bataille. Arabe blanc parlé, si vous avez très fort, vous pouvez le tendre. Et c'est si, intervention blanc, là, qui j'aboumène, c'est mon capucho, c'est mon pochon, c'est mon chien, ça y est, c'est mon qui j'aboumène, en même temps, je vous dis, elle va tout collaborer. Ensemble, pour vous voter, Gary Conin. Gary Conin d'Afsoci, comme un citoyen qui puis honnête, comme premier ministre. C'est des causes TVA, non. Alain Gade, nous avons un crâne présidentiel qui va venir de honnête, qui vient plus que un mois dans tes pays. C'est dit là, toi, qu'a fait, c'est lui qui a volé sous de l'autre. Par contre, qui ça? Toujours campé au champ de bataille, à la pape et fait bac, et ceci,
blanc contre qui j'aboule mener c'est mon cabrito c'est mon cochon yo c'est mon chien ça yo mais contre qui j'aboule mener yo en mes journées aujourd'hui elle fait tout collaborer ensemble pour voter Gariconi. Gariconi t'a sorti comme un citoyen qui puis honnête comme premier ministre mais c'est moun qui présente là Alain garder nous un grand présidentiel qui pas venir de rien qui gagne plus que un mois dans tête pays là c'est dit là trois qu'a fait c'est lui qui a volé sous de l'autre par contre qui ça a réglé créé a fait parce que peuple a la souffrance. Tout le monde connaît Arabe campé dans une révolution, une stabilité pour le pays. Que nous même quel que soit le monde qui voulait venir mettre la paix dans le pays, nous collaborer. Mais c'est pas si vous gagnez ça, si vous voyez ça, Arabe a collaboré avec vous. Je veux dire, regardez bien pour nous. Qui ça blanc fait vous? Blanc prend comme son bon cabrit, un bon chien. Blanc ramasse vous, fait vous courir, voyez vous bayou, l'aile. Mais qui ça devine gagner? Dès que ça vous parle, Gariconi dans l'international là, on a ce Gariconi, pas un monde haïtien qui là, qui honnête, qui dit, qui te ka dirige place premier ministre, c'est si vous voyez ça ou même, blanc qui a utilisé. C'est ça que je vous dis à nous, c'est Gariconi, blanc dit, gade, afin n'a parlé de Fils Belize, n'a parlé de Didier Fizébé, gade, passe caca. C'est moun pam nan, c'est lui qui passe. En parlant de ça, 6 moun qui votent Gariconi. Tous les 6 moun sa yon, yon chak gen 2 millions de dollars fait quand même. Didier Fizébé, ba yon chak 2 millions de dollars pour yon voter Didier Fizébé. Jodi yon ba pour Didier Fizébé non. Parce que tout moun connaît ce secteur privé a te voye Didier Fizébé. Comme ça a distribué, même moun nou qui vote Gariconi. Ça pi mal la, kon sa ki bagay, moi c'est ami, moi mes amis. C'est bon partenaire moi hier mais moi il connaît grand monde là tout d'hyper sous lui elle fait grimace devant devant vie d'accueil et même m'a dit ça honnêtement même c'est vite sous moi là ouais pays ça m'a dit non bagaille honnêtement n'a pas qu'à sauver Haïti oui mais c'est le nous choisir définitivement retirer déchets politiques ça sous monde définitivement ouais l'ont toléré. Un vagabond comme si fait n'importe bagaille et pour tolérer il continue à faire et la continue à faire il passe dans risible by blague ensemble mais la règle ça fait personnel li c'est moi Jean Chaloué là depuis 30 ans oui il a même pratique ça même comportement ça depuis 30 ans est-ce qu'on peut continuer est-ce qu'on peut quitter le continuer négatif il pas qu'à continuer faut que nous prenions toute disposition pour que ça pas continuer. Gen pile démarche qui fait dans le pays ya. Pour Haïti te prendre rail pour te sortir. Mais nous pas ka sortir. Parce que tout simplement gon système qui établi. Système ça décidé c'est pour contrôler toute bagaille. Quel que soit monde qui vient pour faire effort pour permettre que pays ça sorti dans sa gueule nouvelle là, y a assassiné ou. Y a éliminé ou, y a fait toute qualité bagaille ensemble avec ou. Et dans ce sens ça seul moyen parce que nous capable sortir. C'est avec des démarches que Guy Philippe a entreprendre qui peut-être ou même personnellement vous l'a dit tout ou est ou pas marché rapide est-ce que la babouti oui moi pense le capable abouti parce que peuple pas jamais perdu bataille me dit nous depuis c'est peuple qui prend décision me garantir la privée tôt ou tard et c'est ça que monsieur ouais tout qui cause ouais il prend décision pour essayer rassembler tête pour faire tout ça que capable là dans les médias. Mais ouais que yo pa gen support pièce pour la population et yo pa mande population a valide tout parce que le peuple la pa vle yo et bata la pa facile m'pou le permettre nous vivre ki kote nèg yo souti avec Haïti pou mener là m'pou le faire nous vivre un bagay qui est extrêmement important et c'est là m'a dit nous encore une fois nèg ici si yo te gen courage yo tape et prend conscience et si on te moun tout il va pas arriver faire crime ça nous pral tande président Jovenel Moïse et c'est une bagaille l'on n'a parlé de Dimitri Vob moi Dimitri Vob gade moun k'a parler pour lui k'a essayer attaquer moun pour lui n'a dit Dimitri ou peut-être on a problème pire dossier Jovenel nous pas jamais cabo vagan ensemble avec même dans rêve ba la trop clair il trop cri vous comprenez crime n'en fait trop mal nous fait même mal là nous fait mal bon permet tout tande Jovenel Moïse. Et puis même après mission ça Jovenel Moïse te fin fait. Nèg yo sorti pou te menacer, journaliste menacer, radio a pou te brûler.
Et qu'est-ce qu'il a pas le faire? C'était l'opposition politique là, haïtien, qui a pas le faire pour Dimitri Vob. En tant que Jovenel Moïse.